Et chers les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chapitrée, cette fois-ci, les amis. Donc, n'hésitez pas à vous référencer si vous voulez voir une certaine partie de la vidéo. Et puis moi, je vais vous dire, place à la nouvelle intro. Donc, les amis, en tout cas, si cette nouvelle intro vous aura plu, effectivement, ça a été un peu brusque quand même, le changement de... Bon, bref, place à l'intro, etc. Mais du coup, comme vous avez pu voir déjà, pour commencer, la caméra a changé d'axe. Parce que je vais pouvoir vous afficher des trucs, là, ça va être pratique. À ce niveau-là, voilà, vous allez avoir des petits trucs. Bon, je sais, mon mur est dégueulasse. Hein. C'est vrai que pas beaucoup de personnes me le disent. Mais ça serait peut-être temps que je fasse le papier peint. Je pense. Mais comme il me reste... Enfin, si mes études continuent comme ça, comme j'espère, en tout cas, cette année, c'est la dernière année ici, donc... Peut-être nouveau studio, etc. On verra bien. Donc, les amis, commençons. Qui dit nouvelle intro, dit nouvelle aussi charte graphique. Mais on va pas revenir dessus tout de suite. En tout cas, donc ça va le faire juste après. La petite information qui va faire plaisir à certaines personnes. Le tournage de trois tutos a repris. Et j'espère que cette nouvelle saison va vous plaire. Je peux peut-être déjà vous afficher vite fait le trailer. Non. Vous avez vu déjà quelques images, mais vous n'aurez pas plus, les amis. Trailer, du coup, vendredi. Voilà, vendredi. Cette vidéo-là sort mardi. Donc, vendredi, mettez-vous un rappel. Vidéo qui sort magnifiquement bien, j'espère. En tout cas, qui sera bien, du coup, ce vendredi. Et puis, bah, les amis, on continue. Du coup, oui, A3 Tuto reprend. Replay mode d'utiliser... nouvelle qualité parce qu'on passe en 1080p au lieu du 720. Bref, les amis, cette série d'A3 tuto va être folle. On arrête les décorations, ça sert à rien. Personne décore ses bâtiments. Par contre, tout le monde fait ses extérieurs et A3 tuto fait ses... Hey, on se tait là-bas. Non, plus sérieusement, les amis, du coup, oui, vous pourrez retrouver la série A3 tuto sur des nouvelles types de constructions. Comme d'ailleurs l'image qui est affichée sur Instagram. Vous aurez sur mon Instagram des images en avant-première de la semaine d'après. Vous avez déjà une seule image, je crois, qui est diffusée sur mon Instagram de la première vidéo qui sort. Donc les amis, voilà, bon, A3 tuto c'est fini, j'ai plus rien à vous dire, voilà, c'est fini. Je vais parler aussi maintenant du nouveau matos. Parce que oui, entre temps, hein, je vous remets peut-être un extrait vite fait de la dernière vidéo de l'année dernière. Et chez les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que... Voilà, vous pouvez voir que la qualité est dégueulasse. Bref, non, la qualité encore ça va, ça marchait avec l'Osmo Pocket. Qui est là d'ailleurs. D'accord, mon téléphone est là. Et comme j'étais en train de dire, nouveau matériel, j'ai là Logitech C920 qui me filme actuellement. Salut la C920, comment elle va la C920? Comme vous pouvez voir aussi, il y a un nouveau truc, c'est que ça bouge plus autant qu'avant. Parce que là, ma webcam est fixée à même un tube fixé à mon bureau qui est posé sur ma mezzanine. Pour ceux qui ne savent pas, mon bureau est posé sur mon lit, donc du coup, voilà, c'est pratique. Ça me permet de faire des vidéos et gagner de la place dans la baraque parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Donc oui, du coup, la C920 est fixée à même mon pied d'écran. Donc j'ai un support écran pour deux écrans. Parce que j'avais un petit problème. Mes pieds d'écran prenaient énormément de place. Et du coup, comme mon bureau fait que 60, 80, je crois, je sais plus trop. 60, d'ailleurs, je crois que c'est 60. En profondeur, bah ça fait pas beaucoup. Un bureau traditionnel, c'est 80. Et encore, je crois même pas qu'il y ait de place pour pouvoir écrire encore sur son bureau. Il faut pousser le clavier, etc. Donc les amis, bah du coup, j'ai investi dans des nouveaux écrans. Enfin, non, j'ai pas investi dans de nouveaux écrans, ils sont neufs. Mais dans un nouveau pied d'écran. Et du coup, je peux glisser mon clavier en dessous de mon écran. Et c'est pratique. Et je sais très bien que je suis absolument mal cadré pour vous montrer ce que je fais. Mais c'est pas grave. Donc, reprenons les amis, nous allons passer à tout ce qui est overlay et programme de la nouvelle chaîne. Alors, déjà je vous affiche vite fait le programme. Voilà, donc design réalisé par A3 Vidéo, un jeu, voilà, c'est traditionnel, donc bon, c'est un petit effet de glace, stylé, quoi.
Je dois arrêter? D'accord, j'arrête. Donc, du coup, les cercles couleurs signifient quand il y a une vidéo et la charte graphique des overlays. Je vais y revenir. Donc, quand c'est noir, il n'y a rien du tout. Quand c'est blanc, enfin, celui qui est blanc, ça indique juste comment ça marche. Voilà. Donc, excusez-moi au passage, si je regarde un peu plus par là, c'est parce que j'ai toutes mes infos là. Voilà. Donc, je suis encore désolé. C'est vrai que j'ai toujours le réflexe de regarder ailleurs. J'essaye. Je sais pas si vous avez remarqué, j'essaye quand même de regarder la webcam. C'est déjà plus facile que regarder mon retour que j'avais sur mon téléphone. Bon, bref. Voilà. Du coup, non, je continue. Le lundi, il n'y a plus de vidéo. Voilà, le lundi, c'est fini. Il n'y a plus de vidéo. Il me faut un peu plus de temps pour faire le montage maintenant. Voilà, donc je me laisse. Voilà. Le mardi, vidéo. Comme vous pouvez voir, il y a une petite vaguelette au niveau du vidéo. C'est pourquoi? C'est pour signifier que, bah, en fait, c'est pas régulier. Vous aurez peut-être une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà. Une vidéo toutes les semaines pendant 1 mois, ça tout va dépendre. Voilà, donc de ma motivation, de si j'ai le temps de monter la vidéo, si voilà. Voilà, donc assez simple. Le mercredi, on n'a rien du tout. Le jeudi, on n'a rien du tout. Le vendredi, on a rediff de live. Oui, bon, c'est vrai, ce créneau-là, l'année dernière, n'a pas servi à grand-chose parce qu'il n'y a pas eu énormément de rediff de live. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de live tout court, en fait. Voilà. Donc, enfin, si, il y en a eu. C'était complexe. Non, plus sérieusement, du coup, ouais, rediff de live qui seront maintenant, du coup, qui restent le vendredi. Comme vous le savez, je ne fais pas des lives réguliers. Si je dois faire des lives, c'est sur Twitch maintenant. Je ne les fais plus sur YouTube. Mais comme vous savez, voilà, c'est pas régulier. Bon, tout est prêt. Je vais pas vous mentir que tout est prêt. À tel point que bah si je vais dans ma catégorie live, bah voilà, je peux vous afficher mon chat. Voilà, bon, c'est vrai que ça aide pas beaucoup. Par contre, je vais revenir sur mon truc de vidéo. Voilà. Parce que oui, du coup, j'utilise toujours mon Stream Deck, qui est paramétré, j'ai fait plus de paramètres. Qui me permet de gérer mon son, comme vous le savez, qui me permet maintenant de gérer mes cours. Quand on fait des cours en visio. Voilà. J'ai fait un petit profil pour les cours. Mes amis verront ça. Ça va être marrant. Non, plus sérieusement, voilà. J'ai fait aussi profil vidéo, profil live. Comme ça m'évite de me tromper de bouton vidéo, live. Ça n'arrive pas. Hein. En général, je vais pas vous mentir que ça n'arrive pas. Mais bon, au moins, comme ça, c'est fait. On n'y touche plus. Voilà. Et du coup, ouais, du coup, voilà, bon, pour les rediffs de live, etc. Voilà, c'est dit. Et du coup, pour une série qui reprend, bah, ça sera le samedi. Voilà, donc le samedi, vous retrouverez A3Tuto. La fameuse série qui n'a pas été diffusée l'année dernière parce que bah, manque de temps, manque d'idées, etc. Et puis j'ai eu l'idée de demander à sur Instagram pour avoir les idées. Et puis voilà. Donc du coup j'ai des nouvelles idées, j'ai plein de nouvelles idées, d'ailleurs tout le programme est fini. Les idées sont notées jusqu'à la fin de l'année. Ça fait plaisir. Donc vous allez voir une belle série à 3 tutos. Diffusée en 6 parties d'ailleurs. Il y aura 6 parties de 3 tutos. Sans compter les vidéos spéciales à 3 tutos, donc qui Saint-Valentin, Noël, jour de l'an, Halloween, etc. Voilà. Donc à 3 tutos qui reprend le samedi. Et pour toutes les vidéos qu'on vient de parler. Il y a des nouveaux overlays. Et qui dit nouveaux overlays? Bah, je peux vous les montrer. Ça fait plaisir. Des nouveaux overlays. Non, plus sérieusement, du coup, nous avons l'overlay que je vous affiche par-dessus moi. Parce que voilà. On va parler tout de suite de l'overlay A3Tuto. Voilà, donc simple, orange, qui se marie très bien avec son petit cercle sur le truc. Voilà, donc orange, ça fait plaisir. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne, ça a toujours été orange à 3 tutos, et puis voilà. Ensuite, par ordre alphabétique, hein, overlay en groupe. Donc toutes les vidéos qui seront en groupe avec mes amis, etc. Donc un petit violet, voilà, un petit bleu violet, voilà. Qui rappelle la couleur du facecam, mais on va revenir plus tard. Vidéo, enfin overlay, pardon, jeu. Donc un petit rouge, voilà, un petit rouge sobre, un petit peu néon, voilà. Comme tous les autres d'ailleurs. Hein. On part sur un thème néon. Voilà, donc assez simple, je pense. Voilà. Ensuite, over nul p. Non, bah non, celui-là, je suis désolé, les amis. Celui-là, c'est juste pour moi, c'est celui pour pen.net. Voilà. Non, plus sérieusement,
over, nul, nul. Voilà, faut que je le renomme, c'est tuto, voilà, donc. Le mardi, il y aura peut-être quelques tutos, des fois, de temps en temps, qui vont glisser par là, par-ci. Tuto, par exemple, paramétrer VoiceMeeter, paramétrer son micro. Bon, ou le Stream Deck, ou bref. Voilà, donc, truc assez simple. Voilà, donc, tuto, peut-être bricolage aussi, pourquoi pas. Peut-être... Non, ce sera plus vidéo face cam, ça, pour l'overlay. Bref, vous verrez bien. L'overlay rediff de live, voilà, donc un petit vert. Assez fluo, quand même, hein, voilà. Et, pour finir... Les amis, un overlay face cam bleu ciel. Voilà. Alors, je vais pas vous mentir, les couleurs n'ont pas changé par rapport à l'année dernière, c'est toujours les mêmes couleurs. D'ailleurs, c'est tiré directement, là, j'ai pris la pupille, enfin la pipette là, la pipette, et je l'ai passé directement sur le truc, et j'ai récupéré la couleur. Donc, c'est vraiment le plus basique, j'aurais pas pu faire plus basique que ça. Du coup, ouais, je vous mets vite fait l'overlay en groupe et en face cam, juste à côté. Effectivement, c'est exactement à peu près les mêmes couleurs. Voilà. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre, voilà, plus violet. Mais. Enfin, qui tire un peu plus vers le violet, en tout cas. Voilà, c'est comme ça que vous avez peut-être. Bon. Dans tous les cas, c'est des vidéos face cam, entre guillemets. Puisque, sauf que violet, enfin, plus foncé. C'est des vidéos où il y aura bah, Gabi Gel Games, Sun Gym YouTube, etc. Donc, voilà. Je crois que c'est tout, les amis. Donc, les amis, c'est bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, pourquoi pas aussi. Ça permet d'augmenter le nombre d'abonnés sur la chaîne. Je sais pas si vous connaissez ça. Activez la cloche aussi des notifications. Suivez-moi sur Instagram, Twitch. Tout est en description, les amis. Et puis, bah, commentez. Si vous avez des questions ou autres, voilà. Donc, bon, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Voilà, et puis bah les amis, je vais vous dire à la prochaine. N'oubliez pas, le build c'est bien, et puis bye bye tout le monde, à la prochaine.